a découvert tes dessins chez Sarbacane avec ton premier roman illustré, Sacré Souris, de Raphaël Moussafir, paru dans la collection Pépix, il y a un an. Comment s'est passée ta rencontre avec Thibaut, l'éditeur? Bah donc, au début, j'ai d'abord rencontré Frédéric Lavard, à qui j'ai montré mon book. Et 6 mois plus tard, ils m'ont rappelé pour me proposer l'illustration de ce premier roman Pépix. En fait. D'accord. Et après, pour travailler avec Thibaut, vous avez... Donc après, bah, on a beaucoup collaboré par mail et téléphone. Et on s'est rencontrés pour la première fois avec Raphaël Moussafir et Thibaut pour discuter de toutes les esquisses du livre Sacré Souris et faire le point pour la maquette et tout ça. Ok. Donc du coup, tu as dialogué avec Raphaël pour t'approprier l'histoire, pour que voir si vous aviez la même vision du personnage de la souris. Bah, on a discuté, oui, quand on s'est vu, voilà, à cette réunion. Mais c'est vrai que c'est un travail qui s'est fait vraiment enfin, chacune de son côté. En fait, Raphaël, elle travaillait le texte, moi les illustrations. Et du coup, on était libres chacune de se faire des commentaires l'une à l'autre. Mais c'est vraiment un travail aussi solitaire dans son univers pour vraiment se concentrer et développer. Voilà, toi, après, tu prends des passages. Voilà. D'accord. Donc après Sacré Souris, il y a eu la fantastique aventure de Wawa de Chihuahua de Rachen Korenbit qui est sortie en octobre. À partir de celui-là, est-ce que ton travail a changé? À partir de Wawa? De Wawa, du coup, vu que c'était ton deuxième, est-ce que... Pas spécialement, en fait. Hein. Enfin, c'est... Moi, après, voilà, sur la collection Pépix, j'ai appris à travailler surtout les images en noir et blanc, chose que je ne faisais pas avant, parce que j'aime bien, moi, les images en couleur, tout ça, enfin, travailler la couleur. Et là, c'est vrai que sur la collection de Pépix, bah, ça, les images en noir et blanc, ça apprend à gérer les contrastes, tout ça, quoi. Donc c'est un autre travail, enfin, c'est un travail vraiment spécifique au roman illustré en noir et blanc, tout ça, quoi, avec des images très jetées. D'accord. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu sembles aimer dessiner les animaux, puisque dans Sacré Souris, c'est une souris, et dans Wawa, c'est un petit chihuahua. Qu'est-ce qui t'inspire chez ces petites bêtes? Bah, bizarrement, je trouve que c'est plus facile d'illustrer des animaux que des êtres humains. Ouais. Et j'aime bien, voilà, m'intéresser au comportement des animaux. Voilà, enfin, il y a une diversité dans leur pelage, dans leurs plumes, si c'est des oiseaux. Ouais. Voilà, c'est... Leur de l'expression, voilà, et tout ça. Tout m'inspire dans les animaux, en fait, leurs couleurs, les motifs qu'on peut retrouver sur leur pelage, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, Pépix fête son premier anniversaire le mois prochain. Tu as dessiné un chouette gâteau avec tous les personnages de la collection représentés comme une grande famille. Est-ce que c'est un peu comme la famille d'illustrateurs Pépix de la collection? Bah, j'imagine. Après, moi, je connais pas tous les auteurs et illustrateurs de Pépix, enfin, personnellement. Ouais. Mais voilà, oui, c'est une grande famille avec plein de diversité, des styles différents, des personnalités différentes. Et oui, je pense t'as réussi que, à voilà, la c'est produire, une grande famille de diversité avec des qualités différentes. Ouais. Tu les connais un peu, t'en connais deux. Moi, je connais voilà, les auteurs avec qui j'ai travaillé. Après, je vois le travail que font les autres illustrateurs, mais personnellement, oui. On se connaît pas tous. Hein. Non, oui, mais voilà. C'est ça. En plus, t'es à l'autre bout un peu de monde. Donc, tu as un nouveau projet en cours, donc toujours dans la collection Pépix Billy Fawcett de Sabrina Bensalah. Donc, cette fois-ci, les héros de l'histoire sont des enfants. Avais-tu une idée précise en tête pour leur personnage? Bah, donc, l'héroïne de cette histoire, ça va être un petit garçon manqué, une petite fille garçon manqué. Mmh. Donc, voilà, il fallait qu'on retrouve ce caractère-là dans ce personnage, mais qu'elle fasse fille quand même. Donc, ça, c'était la petite difficulté pour créer ce personnage, quoi. Voilà, il fallait qu'elle ait ce côté garçon manqué, mais qu'on se dise pas c'est un garçon. Ah non, c'est une petite fille habillée en garçon qui aime bien partir à l'aventure. Et... Ok. Bon, bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup, Caroline Héro, et puis à très bientôt chez Sarbacane. À bientôt.